Kenji Girac a été victime d'une blessure par balle dans des circonstances encore indéterminées, survenue lundi dernier. Toutefois, selon les propos de son manager, Hakim Nassou, relayé ce mardi 23 avril, l'artiste se trouve dans un état stable et rassurant. Âgé de 27 ans, Kenji Girac est actuellement hospitalisé et son manager a pu échanger avec lui par téléphone. Confirmant son rétablissement, il a affirmé que l'intervention chirurgicale, réalisée au centre hospitalier Olévèque à Pessac, s'est déroulée avec succès. Bien que dans un état grave lors de son admission, le chanteur, célèbre pour des titres tels que Color Ritano et Andalouse, est conscient et se remet progressivement de cet incident. Selon un communiqué diffusé par le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, Kenji Girac présentait une plaie par balle au niveau du thorax avec une sortie de projectile au niveau du dos. Ce même communiqué rapporte que l'opération chirurgicale a été couronnée de succès. Hakim Nassou a également confirmé que l'intervention s'était bien déroulée, tout en indiquant que l'équipe proche du chanteur fournirait davantage d'informations en temps opportun. L'enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, suite à des déclarations du chanteur suggérant un tir accidentel qu'il aurait lui-même provoqué en manipulant un pistolet automatique de calibre 11, récemment acquis. Selon les informations fournies par le parquet, le procureur Olivier Janson a déclaré que l'audition du chanteur serait programmée dès que son état de santé le permettra. Par ailleurs, Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a annoncé sur le réseau social X l'annulation d'un concert prévu vendredi à Marseille.